T'es prêt? Allez, respire. T'es capable. T'es capable, mon chéri. Allez. Quand tu veux. Dépêche-toi, il me reste 33% de batterie. Allez, 1, 2, 3, go. Salut les loulous. Salut les loulous. Dans cette nouvelle vidéo, on a reçu quelque chose qu'on attendait depuis bien longtemps. On emmène Grotte au garage et dernière ligne droite avant le déménagement. Mais avant, intro. Vous avez vu, c'est Kylian qui a fait l'ouverture de cette vidéo. Merci Kylian. De rien tout le monde. Alors, est-ce que vous avez aimé? Ça change un petit peu que de me voir à moi tout le temps. Là, il y a petit Coco qui a mangé une petite soupe de vermicelle, c'était bien bon. Puis là, il y a ma chérie qui apparemment s'est régalée aussi. Salut. Hey. Viens, mange la compote. Là, il va manger la compote. Mais on voulait vous montrer, je suis tellement impatient. Oui, on a reçu quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. En gros, presque 9 ans. On ne pouvait pas l'avoir avant, mais là, on l'a eu. Et on a reçu toutes ces enveloppes. Je vous montre. Cache l'adresse. L'autre côté, l'adresse. Puis là, on s'en fiche, on s'en va. Allez, on prend qui? On va pas montrer le détail, mais attention, roulement de tambour, bah là, il y en a qui ont compris, hein, de toute façon. On avait fait un petit post, déjà. On avait fait, vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Puis, vous, pour ceux qui nous suivent... Ah. Attendez, il y a Coco qui m'empêche de faire la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu veux parler aussi? Non, il veut la compote. Donc, effectivement, ceux qui nous suivent sur Facebook... Je vais vous mettre le lien ici, là, la petite image de notre couverture Facebook. C'est un peu comme notre logo, mais si vous ne nous suivez pas sur Facebook, suivez-nous. On met des photos, on fait des petites choses. On fait pas 50 publications par jour, mais on met quelques petits trucs de temps en temps. Et puis ça en fait partie. Vous avez dû voir la publication de ça. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne suivent pas encore sur Facebook, bah allez sur Facebook. Non, c'est pas vrai. C'est compliqué à ouvrir ce truc. On va mettre une musique d'attente. Votre correspondant répondra dans quelques instants. Merci de votre patience. Allez hop. Je montre à ma chérie d'abord. C'était cette couleur. C'est les nouveaux. Ouais. On va enlever ça. Et attention, à la une, à la deux, ladies and gentlemen, c'est officiel. Vraiment, ouais, c'est officiel depuis un moment, mais... Mais le fait de l'avoir dans les mains... Tili, passeport canadien. Pou, pou, pou. Donc là, j'ai ouvert le mien. Waouh, c'est beau. J'ai envie de voir. Ouais, voilà, donc vous l'avez vu sur Facebook. Nous avons reçu nos passeports, c'est une des premières étapes de notre projet parce qu'en tant que Canadien, on peut voyager pendant 6 mois aux États-Unis. Comparé des Français où vous devez prendre l'ESTA qui est payante mais c'est pas excessif, c'est pas grave. Et être que 3 mois sur le territoire américain, j'entends. Donc nous c'est 6 mois. Et oui, on est voisins des Américains donc c'est ça. Voilà. C'était le petit passage de la vidéo. On commence avec ça, c'est une bonne nouvelle, on est très content. Ma chérie, est-ce que tu es contente? À pas pleurer, non. Ça c'est le mien, mais tiens, ça fait quoi de l'avoir dans les mains? Le tien, il est juste là, ma chérie, mais imagine que c'est le tien. Là. Hein? Ça faisait un moment qu'on l'attendait, ça. Ça coûte 10 000 dollars, ça. Ouais, au bout de la ligne, ouais. C'est ça, au final... C'est ça, non, mais c'est cool. Pour une famille de 6, ouais. C'est cool, c'est bah, une famille de 3. Ouais, de 3, pardon. Oui, on a fait la demande pour 3, exact. Famille de 3, mais ouais. Bah, c'est l'aboutissement de tout,
de tous nos visas, de toute notre attente, de tous nos stress, de toutes nos visites médicales, de tout, enfin, tout le bazar là. Mais c'est cool. C'est cool. C'est un nouveau pas. C'est un nouveau pas. Mais. C'est. Je suis contente. J'ai pas trop les mots, mais je suis contente. Et toi, Coco, t'en penses quoi? Ils s'en foutent. Ouais, mon fils, moi je suis canadien et puis moi je mange la compote. Oui, avec un vermicelle. Avec un vermicelle. Il fait chaud là. Donc... Ouais. On a 24 dans la maison. Ouais, c'est chaud. Il pleut. Et puis là, je sais pas si vous voyez là par la fenêtre, là l'autre il est en train de monter sur le trottoir à moitié. Je sais pas si on l'aura vu. Hein? Non, bref. Il fait pas beau aujourd'hui. C'est ça, ils sont tous là, les passeports, les enveloppes, elles sont toutes là, on va les ouvrir, on va vérifier les informations qui sont dedans, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et voilà, donc, on continue, c'est parti cette nouvelle semaine. Comme vous disait Kylian, on va emmener Groot au garage parce qu'il faut qu'il fasse les réparations des dernières choses qu'on avait vues. Donc on en reparlera dans la suite de la vidéo quand on apporte Groot. Mais si ça vous tente, on vous embarque avec nous. Restez là. Et puis ensuite, ce sera la dernière ligne droite. Il nous reste une semaine avant le déménagement. Donc quand vous verrez cette vidéo, on sera en train de déménager. Pensez à nous. Regardez sur Facebook. Venez nous voir sur Facebook. Venez nous mettre des messages. Puis ouais, voilà. On sera en train de déménager. Ouais, c'est ça. Ça y est. Là, une des plus grosses étapes arrive. Donc, allez, go. On va pas parler pendant 8 jours. Joe, tu parles trop, comme d'habitude. Personne me le dit, mais je pense qu'il y en a qui doivent le penser. Mais c'est pas grave. Oui, tu parles de trop. Ma chérie, elle le sait, elle le dit que je parle de trop. Donc, suite de la vidéo, on emmène Groot au garage. Tadam. Centre du VR, on est en train de poser le VR. J'ai expliqué au gars un peu au service tout ce qu'il y avait à faire. Puis on est parti dehors dans Groot, montrer. Et puis je reviens dans le hangar. Là, je suis dans le hangar. Vous voyez, c'est là où il rentre. Il y a tout là. Il y a les mécaniciens qui ont leurs outils. Puis ma chérie, elle me dit : regarde au fond là, ça te dit rien ça ? Et puis alors là, on n'avait pas fait de vidéo encore. On n'était pas sur YouTube à l'époque. Hein. Ouh, vous n'étiez pas sur YouTube. Hein. Mais ceci était, c'est la nôtre, c'était notre roulotte. C'était notre roulotte. C'est vraiment la nôtre. Donc la Wolfpack 23 pack 15. Il y a encore les meubles à l'entrée. Ah ça fait bizarre. Il y a encore le truc sur le frigo. Tabarouette. C'est salut. C'était notre roulotte. Hop, on va aller voir là. Une roulotte cargo qu'on a eu pendant un an et demi à peu près. Et là, la particularité dans celle-là, c'est qu'ici il y a un réservoir d'essence. Alors c'est une roulotte, elle est tirée, il n'y en a pas besoin, mais c'est pour les motos de course, pour les véhicules vu que tu charges. Mais là, c'est ça. Et regarde bien ici. Elle nous a manqué. Regarde bien ici.
Attends. Non, touche pas. Touche pas, mon chéri. Touche pas. Touche pas. Regarde là-bas. À la une. Il y en a. Et tu veux montrer en bas? Ah, putain. Ils les ont toujours pas enlevés. Ils ont pas enlevé? Là, pas enlevé. Il y a encore les autocollants. Là, là, tu vois. Papa. Voilà. Ça, c'était notre roulotte qu'on a échangée avec le pick-up contre Groot. Donc, elle est là. Donc, je suppose qu'elle est là, donc elle est à vendre. Donc, si vous voulez l'acheter, Saint-Dubert, Saint-Nicolas. C'est eux qui l'ont, si vous voulez venir la voir. Elle est vraiment propre, on en a pris soin. Ça a été vraiment pratique, mais nous, ça nous prenait un VR. Donc, voilà. Saint-Dubert, Saint-Nicolas, si vous voulez voir notre ancienne roulotte et éventuellement l'acheter. Je sais même pas combien ils la vendent, je vais être très honnête. J'ai pas de commission là-dessus, c'est juste qu'on l'a vu. Donc, on le montre. Voilà. Bon, petite mise à jour dans le projet énergie solaire pour du VR. On vient tout juste de raccrocher avec Jérémy, de Jérémy et Charlotte, les vadrouilleurs. Merci beaucoup, Jérémy. Et toujours de bons conseils. Il répond quand il a le temps, mais on sait qu'il est pas mal débordé, donc c'est encore plus apprécié qu'il ait pris le temps de nous appeler pour nous aider, donc merci. Puis là, il m'a soulevé un point auquel j'avais pas forcément pensé. Plutôt que de modifier toute l'installation, changer des batteries, changer le boîtier PWM, il me dit pourquoi tu fais pas une installation à part. Il me dit ton installation, tu touches pas au véhicule à part des trous et puis voilà, mais tu touches pas au branchement électrique actuel, ne serait-ce que pour la garantie, parce qu'il est flambant neuf le VR, donc on veut pas qu'il y ait de problème pour la garantie si par la suite il y a des soucis. Donc il me disait ça et c'est vraiment pas fou. On a passé peut-être quoi 30 minutes au téléphone. C'est vraiment pas fou. Donc, je suis en train de regarder ça. C'est sûr que ça augmente un peu le budget de 1 500 $. Ouais, de 2 000 $ à peu près, mais bon. Et après, je me faisais une autre réflexion. Je me dis que c'est pas fou, mais là, toujours pareil. Je sais que David et Sabrina de la chaîne DS Voyage, ils avaient une fifth wheel qu'ils ont vendue. Félicitations. Content pour vous, mais qui mettait sa station, sa batterie. Alors nous, vous le savez, on a un partenariat avec All Power, donc ils nous avaient envoyé la petite, je vais vous la montrer, elle est là, hein, la petite 600 là, qu'on se sert pour les ordinateurs, pour les téléphones, c'est très pratique, ça dépanne bien dans le VR. Mais je me disais, quoi? Je t'arrête. Quoi? Je veux juste leur dire. Attends, on ne voit pas. J'ai les mains. Non, ils sont cachés. J'ai les mains dans le plat, je suis en train de faire les trous. Pour la All Power, on a vu sur Internet, là, ils ne nous l'ont pas dit, mais on l'a vu sur Internet. Si vous êtes intéressé, il y a moins 45% pour la fête des papas en ce moment. Ah oui, fête des papas, c'est bientôt la fête des papas, donc ils ont fait une promo, c'est cool. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, dans la description, il y a les liens de nos partenaires, donc et All Power en fait partie. Mais là, il n'y a rien du tout, là, c'est juste parce qu'on a vu ça sur Internet, j'ai dit, bah tiens, pour les gens qui nous avaient demandé combien ça pouvait coûter, tout ça, puis qu'ils étaient plus ou moins intéressés, profitez-en, là, il y a une bonne promo. Je vais même vous mettre le lien pour... parce qu'apparemment, le lien ne fonctionnait pas pour les gens de France. Là, je vais vous mettre le lien pour ceux de France. Voilà, si vous avez besoin, on va vous mettre les deux liens. Mais je me disais donc, et puis là, je suis en train de me battre avec petit Coco. Hein, on jase? Allez, réflexion, on jase tous les deux. Je me disais, faire l'installation à part. Ça, c'est correct, je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, au moins, si, mettons, on vend le VR ou quoi, on peut démonter l'installation et l'emmener dans notre prochain véhicule ou juste le revendre ou si le gars, il n'en veut pas, enfin bref. Là, je me disais, mettre des panneaux solaires, un boîtier MPPT, un convertisseur, 2000 ou 3000 watts, des batteries lithium, ça fait beaucoup, ça fait cher. Et comme je disais, David et Sabrina, ils avaient une fifth wheel. Puis eux, ce qu'ils avaient fait, ils avaient mis un panneau solaire, puis ils envoyaient ça dans leur batterie, donc on va dire All Power.
c'est pas ça eux, mais nous c'est All Power. Et ils envoyaient les panneaux solaires dans leur station d'énergie portative. Et après, il y avait une prise 30 ampères et ils branchaient leur fifouille dedans. Ma question est, et là j'ai besoin de vous les amis, si je fais une installation à part, je me mets deux panneaux de 400 watts, je les passe, peu importe, je trouve dans le toit, peu importe. Si je fais ça, est-ce que je peux prendre une station d'énergie All Power, il y a là 3200 watts, c'est une 3200 watts, plutôt que d'acheter des batteries lithium et puis un boîtier MPPT, je peux pas l'envoyer directement dans ma batterie All Power. Et ensuite, j'ai ma prise du VR. J'y viens me pluguer dedans. J'ai l'adaptateur pour me... C'est du 50 ampères, donc je peux me mettre sur du 30 ampères. Mais est-ce que je peux pas brancher ma prise comme ça? Là, ça m'évite d'acheter un convertisseur. Il y en a un, c'est un 3200 watts avec des crêtes à 7000 watts. Sur la All Power qu'on envisage. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai juste la All Power à acheter, ok, les panneaux solaires, les câbles, et je fais mon passage de câbles. Peu importe, Jérémy me disait par l'échelle en arrière pour éviter de trouer, c'est pas fou. Mais après, à voir où elle est ma prise, mais... un passe-câble caché, collé, j'en sais rien, mais voilà. On va appeler une compagnie. Alors là, en même temps, je regarde l'ordinateur parce que j'ai plus le nom exactement. Jérémy nous l'a conseillé. Puis, bah, c'est là qu'il a été chercher son matos. Hein, puis il y a une autre personne, je suis désolé, je crois que c'est Pierre Tremblay sur YouTube ou sur Facebook qui m'a mis le message et qui nous a parlé de cette compagnie aussi. C'est la compagnie à Lévis, c'est Batterie et compagnie. Donc Jérémy nous en a parlé aussi au téléphone tout à l'heure, il dit je peux aller les voir. Herbitech sont de très bons conseils aussi. Je pense qu'ils sont plus spécialisés dans les panneaux solaires que tout le reste. Et puis Herbitech, ils sont à Montréal. On va acheter nos panneaux solaires là-bas, c'est sûr. Mais après, si on pourrait avoir des informations un peu plus près, puis acheter les choses locales, on va dire. Parce que les panneaux solaires chez Herbitech, je vous le dis, c'est des prix qui défient toute concurrence. Mmh. J'ai vu son promo là, c'est le panneau de solaire de 400 watts, il est à 236 $. C'est pour deux fois le prix, je trouve ici, mais deux fois moins puissant. Donc là, ça vaut le déplacement. Il y aurait eu 50 $ d'écart, on ne se poserait pas la question, mais là, c'est intéressant pour les panneaux. Donc je peux acheter les panneaux chez Herbitech avec le système de fixation. Puis après, le reste, je l'achète ici, moi, ça ne me dérange pas. Mais surtout, est-ce que je peux mettre mes deux panneaux solaires de 400 watts et les envoyer directement dans une All Power? Et ensuite, mon VR, je le branche à la All Power, pas en permanence. Le but, c'est pas de le brancher en permanence. Donc, c'est on garderait vraiment... On garderait notre petit panneau solaire de 100 watts quand même. Ouais, l'installation d'origine resterait en place pour tenir le frigo. Voilà, c'est ça, parce que le frigo, il n'est pas sur gaz, ouais. Il est que sur électrique. Mais le fait d'avoir une station All Power qu'on branche quand on en a besoin, c'est surtout pour faire starter le micro-ondes qui marche seulement quand on est plugué sur l'électrique dans un camping ou avec la génératrice. Donc... Puis je me dis, ça peut être une bonne solution. Après, c'est la All Power qui rechargera nos batteries aussi, parce que si nos batteries arrivent à terre, c'est là tu vas brancher la All Power, elle va envoyer. Donc, mais est-ce que c'est fou comme idée? Parce que je me faisais la réflexion de me dire, tout le monde fait des installations, on essaie de dire on fait une installation fixe, puis là on met un autre truc à côté, c'est une autre installation pour pouvoir débrancher et tout. Mais au final... Je me dis, pourquoi les gens, ils achètent des batteries lithium? Alors oui, peut-être que c'est... Il y a plus d'autonomie, il y a peut-être plus d'autonomie, mais c'est la réflexion que j'ai. On essaie de voir un peu au plus simple aussi, on est nouveau dans ouais, le nomade. Je suis vraiment pas un expert dans l'électricité. Non, même dans le nomade et tout ça. Puis là, on dit on est parti pour un an à vivre dans Groots et... ça serait quelque chose d'occasion, quelque chose... On s'en foutrait de faire des trous, puis de... On n'aura pas mis trop d'argent et tout ça. Là, le VR, comme disait Jérémy, dit, moi je m'en fiche, je modifie des trucs, ils ont 10, 15, 20 ans, il n'y a plus de garantie, je fais des trous, il n'y a pas d'histoire de garantie constructeur. Là, moi j'ai une garantie, le véhicule est garanti 7 ans.
Donc on est en 2023 et jusqu'en 2030 il est garanti. Ils ouais. veulent revendre après, qu'on fait trop de modifications ou quoi qu'elle, on ne veut pas avoir de soucis non plus. Enfin, bah c'est surtout que s'il y a des problèmes électriques, tu ramènes le verre au garage. Puis là ils disent bah problème électrique, vous avez touché à ci, touché à ça, il n'y a pas de garantie, merci. On s'entend que les garanties généralement, hein, c'est pas fait pour qu'ils payent. Ils essayent toujours de trouver la solution pour pas payer. Donc que ça leur coûte le moins cher. Bah, c'est comme merci ça, à Jérémy de nous avoir soulevé ça, parce que ouais, sur le coup, on y c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Mais voilà, tout ça pour dire, qu'en pensez-vous? On met des panneaux solaires de 400 watts, on les fait passer peu importe par où, et on envoie ça dans une all power, une 3200 watts. Donc comme ma chérie, mais c'est en plus gros, c'est ça. Mais sauf que c'est en plus gros, ah, et oui. puis il y a la prise 30 ampères. Donc ouais. pour brancher une roulotte ou un VR. Ouais. C'est sûr que moi, comme je dis, je suis en 50 ampères hein, ma prise, mais j'ai l'adaptateur pour aller me mettre en 30 ampères. Donc, puis ça reste du temporaire. C'est juste pour starter le micro-ondes. Si on manque d'énergie, si on a besoin de quelque chose d'un temporairement, ça va pas être de rester branché en permanence. Bah là, ça va nous faire un bon test dans deux semaines. Donc la semaine prochaine, bah on est en déménagement. La... Ouais. Mais... Là, quand vous voyez cette vidéo, je vous le dis, on est en train de déménager. On est okay. en train de porter des meubles et tout. C'est le grand jour où on... c'est bon. On donc, part dans le gros de vivre à 100%. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous avez, vous allez voir ou vous aurez dû voir, je sais plus trop, mais. Des photos par rapport à ça, Facebook et Instagram. Mais ça veut dire que après la semaine d'après, là dans une semaine pour vous là, dites-vous bien que dans une semaine on est à l'Overland Fest. Ouais, c'est un rassemblement de Rémi Turgeon. Ça se fait à Saint-Agapi. C'est un des plus grands rassemblements de véhicules, de personnes nomades. Donc on y va, on va aller poser des questions, on va voir David et Sabrina de la chaîne DS Voyage. On va les rencontrer en vrai pour la première fois. On discute un petit peu par message et tout. C'est cool. Ça reste une communauté vraiment, vraiment sympa. Et puis, on discute. Il y en a, oui, comme partout. Il y en a qui on envoie des messages, j'y réponds pas. Tant pis. C'est pas grave. Ils ont le droit. On force personne à nous parler. Et puis, mais... Non, mais nous, on aime bien. Mais nous, on aime bien parler. Et puis là, qu'on a plein de questions et tout... Donc c'est vrai qu'on a de l'interaction. Puis on voilà. va surtout au festival également pour... Attendez, j'essaie de trouver une place, c'est tellement de bazar dans la maison. Je vais t'asseoir. Pourquoi il n'y a plus grand-chose. Vas-y, viens. Hop. Allez, venez, changement de scène. Ouh. On va s'asseoir sur le canapé. Non, mais c'est bien. Hé, on n'est pas dans Groot. On a encore notre canapé. On a de la place, on a encore le canapé. Mais donc ouais, on est parti au festival. Il y en a beaucoup qui nous l'ont dit, que c'était pas mal. Puis bah... On va essayer de rencontrer plein de nomades en fait. Donc on va prendre un maximum d'informations, de magasiner, puis faire des belles connaissances, parce qu'apparemment il y a des petites familles aussi qui vont être là-bas et tout ça. Ça va être cool pour les enfants, puis de savoir ce qu'ils font cet hiver, et puis enfin voilà. Donc, on va à l'Overland Fest se créer des nouveaux amis nomades ouais. pour pouvoir, on ne sait pas, peut-être les recroiser sur la route. C'est ça. En Floride, au Texas. On a fait des belles connaissances, mais ils sont partis en France. Donc... Ouais, Jérémy, ils sont partis. Voilà. Mais il y a David et Sabrina voilà, qui sont arrivés. Il y a Kevin suit. Et Sophie de la chaîne Bravo Eco Irving. C'est ça. Des très belles vidéos, ça, je vous le dis. C'est complètement différent de nous parce que c'est vraiment... C'est du paysage. Nous, on vous filme notre vie pour montrer à la famille, aux des amis. Découvertes. Mais eux, c'est vraiment des paysages. Puis les vidéos sont vraiment le top. Donc, on vous invite vraiment à aller voir... mettre un lien ouais. en description. Ouais. On les rencontre le mois prochain parce qu'ils reviennent sur Québec, donc on va. Puis ils nous ont bien aidés aussi, on a déjà échangé tout ça, donc ils nous aident beaucoup. Puis voilà. Après c'est vrai qu'on a fait une belle connaissance. Pour le moment c'est en stand by, en tout cas. Mais Oiseau et Cricri, on vous fait des bisous. Voilà. C'est ça. On sait que vous nous regardez, donc on vous fait des gros bisous et on vous aime très fort. Ils se sont mis en stand-by pour l'instant, pour des raisons personnelles, puis c'est bien correct. Et puis, écoutez, nous, on a hâte de... Mais on a fait une très belle rencontre grâce à YouTube, donc on les aime très très fort. Ouais. Donc voilà, un peu en gros, les gens qu'on suit, puis Hakim et Tim aussi qu'on suit, mais eux, ils sont à Vancouver. Ils sont à l'autre bout du Canada. C'est eux qui avaient racheté un des VR à... Ah, Jérémy et Charlotte. Ouais, exact. Donc voilà. Le monde est petit, là, entre guillemets. C'est un monde assez petit, puis surtout sur YouTube, il n'y a pas 300 millions de personnes au Québec, Canada, puis États-Unis qui ont des chaînes YouTube. Donc il y en a quelques-uns. On en suit quelques-uns.
Puis voilà, c'est ça. C'est toujours plaisant de quand on envoie un message, ben d'avoir une réponse. Puis, vous suivez qui? Ah ouais. Par pure curiosité. Mettez-nous en commentaire les liens. Mettez pas juste les noms, s'il vous plaît. Ça va m'éviter de chercher pendant deux heures. Si on regarde un peu la famille. Mais attends. Ah, comment il s'appelle? Mais mettez-nous en commentaire les voyageurs, les personnes nomades qui ont une chaîne YouTube que vous suivez. Ouais. On est curieux de voir s'il y en a qu'on suit aussi. Puis c'est ça, il y en a qu'on suit un peu. Il y en a qu'on suit beaucoup, beaucoup, très régulièrement. Bah, on suit un petit peu les MBs, les Suisses, là, qui bah, ils retournent en Europe. Ouais. Mais ils étaient. Ils étaient mais influence pas les gens, on dit rien. Non, mettez-nous. Mais si, il y a les Nesta, la famille Nesta. Ah, ouais. Nesta, il y a les. XTG. Il y a XTG aussi. Juste pour leur dire lesquels qu'on suit, parce que si on. Alors, on vous fait la liste. Allez, donc, Vadrouilleur Forever. J'ai fait dans le désordre. Ouais. Kevin et Sophie, bravo, Echo, Irving. Wezo et Cricri, en tout cas, qui se sont mis en stand-by. C'est ça. David et Sabrina, DS Voyage. On a Kim et Tim. On suit les MBs. Ouais. Là, sont partis. XTG. XTG Family. Alors, eux, ils sont en Amérique du Sud. Je sais plus où ils sont. Ils sont géniaux. Et c'est fantastique, leur vidéo. Ce qu'ils font, là, c'est incroyable. C'est, non. Si un jour ils tombent sur cette vidéo, bah, salut. Ouais. Nous, on est des Français. On est au Canada. Et on vous envie, franchement. On n'a pas du tout le même véhicule que vous, donc on ne pourra pas faire ce que vous faites. Mais alors, c'est fantastique. Ouais, c'est super. Donc, XTG, MBs, Kim et Tim, les Nesta. Il y a, on suit un peu... Maurice. Maurice on the road. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a Audrey et Bastien. Audrey et Bastien, ouais, qui sont repartis en France. Qui sont repartis en France. Il y en a plein qui repartent en France. Là, Cactus, avec leur bus Cactus. Qui est ici, là, il est entreposé aux États-Unis. Ouais, là, ils sont repartis en France pour quelques mois, apparemment. Puis ils vont revenir, donc peut-être qu'on les recroisera après. C'est ça. Qui d'autre J'ai une urgence. J'ai une urgence sur bébé. Ouais, une urgence. Donc voilà, mais vous, mettez-nous en commentaire qui vous suivez, qui. Si ce soit des personnes nomades, déjà, mettez-les en commentaire. Puis, peu importe s'ils sont au Canada, États-Unis, France, on est curieux de voir un petit peu qui vous suivez. Donc, mettez-le nous en commentaire. Et 3 minutes de vidéo juste pour poser une question, quoi. Si on est des fous. Voilà. Donc, tout ça pour dire. On revient à la question initiale, l'énergie solaire, la réflexion. All power ou all power? All power ou pas all power? Est-ce que je peux faire ça? Quelque chose simple. Ouais. Pour nous. De simple. Je suis nul, je suis une quiche. Je vous le dis. Jérémy, il me l'a dit au téléphone. Il me l'a dit d'une manière extrêmement polie. Poli. C'est parfait. Non, il a dit que tu commençais à comprendre les choses, mais que t'étais pas... Mais par rapport à mon niveau de connaissance, faut pas se tromper et puis c'est ça. Donc en gros, t'es nul. Mais c'est correct, je le sais. Je vais pas dire que j'y connais rien. Donc, mais je commence à comprendre. Mais est-ce que je peux faire une installation à part? Panneau solaire, 400 watts, enfin deux fois. Je tire le câble, ça va dans la hall power, 3200 watts. Puis ensuite, je branche mon VR quand j'en ai besoin à la hall power. Juste pour ça. Je peux ou je peux pas? Merci de votre aide. Puis il faut continuer la vidéo. C'est un petit bout. Bon, on va continuer la vidéo. Vous allez voir qu'on va aller jusqu'à ce qu'on récupère Groot. Il est au garage. Ah oui, précision pour le VR. Je tiens quand même à dire. Parce qu'il y a peut-être un moment donné, j'étais un peu fâché, c'est pas ça, mais c'est en train de se régler par rapport. Les petits problèmes, ils sont en train de les régler, les ajustements. Là, la génératrice, ils vont regarder et tout. L'histoire du panneau avec la fixation de l'échelle pour descendre, j'avais pas eu de retour. Puis là, j'en ai eu un. C'est sûr qu'il a fallu que je les recontacte. C'est pas eux qui sont revenus vers moi, mais l'inverse. Bref, c'est pas grave. L'important est de savoir que ils vont me le changer pour que j'ai les fixations en plein milieu. Voilà. Donc, centre du VR Saint-Nicolas. Ils tiennent parole. C'est ça, je voulais juste le préciser quand même. Affaire à suivre pour le reste. Affaire à suivre pour le reste, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres choses. Mais non, non, les autres choses, c'est des réparations. C'est l'eau chaude qui arrive de manière aléatoire.
on n'a pas de chauffe-eau, c'est de l'eau chaude instantanée, donc ça, la génératrice, des trucs, des pièces qui sont en commande, donc on va les attendre, mais là, on l'a emmené là tout de suite, juste avant le déménagement, pour qu'il puisse faire les grosses réparations. Puis les petits trucs, c'est pas grave, on ira poser la journée, et puis parce que à partir de maintenant que vous voyez la vidéo, on vit dans Groote. Depuis le 14. Ouais. Allez, on arrête de parler. On va bosser. Allez, va bosser, feignant. Qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, faire une sieste. Bon. C'est ici que va se terminer cette vidéo, un peu rapidement, mais il y a eu des petits changements de programme. On devait récupérer Groote ce soir, on est jeudi, on devait le récupérer ce soir. Puis en fait, ils nous ont, sans du verre, nous ont appelé hier, donc mercredi, pour nous dire les petits problèmes qui sont réglés et tout, et que je pouvais venir récupérer Groote. Donc je suis allé le récupérer, je suis allé au Costco mettre de l'essence. Pas de stress, il y avait moins de monde et puis je n'étais pas gêné, donc voilà. Je suis allé remplir du propane, j'ai mis 1,20$ parce qu'on l'avait pratiquement pas utilisé à Shannonville parce que il y avait on s'est pas servi de l'eau chaude et puis on a pratiquement pas fait à manger, on a même pas du tout fait à manger sur le gaz, donc voilà. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Maintenant, on va vous dire à la semaine prochaine parce que ça va être le déménagement. Là, ça y est, c'est le départ. C'est dans la prochaine vidéo que vous allez voir ça, le grand départ. Je vais vous montrer quand même un petit peu la maison. Hein, on va vous montrer un petit peu. Donc, il n'y a plus grand chose. On a vendu la table. On a mis la table de camping. Le bureau, c'est une petite table de jardin. Voilà, ma chérie est déprimée, elle retrouve des trucs, elle sait pas d'où ça vient. C'est mis où ça? Donc on est en mode camping. Puis voilà. On leur dit au revoir, à la semaine prochaine. Parce que nous, désolée. J'en peux plus. C'est ça. Mais ça y est, on y arrive. C'est comme je disais, on est jeudi. Demain, je travaille. J'ai une grosse journée quand même avec les essais Yamaha. Mais on rentre demain soir. Demain soir, on a des amis qui viennent. Mmh. Qui viennent dormir à la maison et dormir sur le canapé. Parce que samedi, vu que demain soir, je reviens avec le camion. Samedi, bah vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. On va vous montrer ça. C'est le déménagement, emmener à l'entreposage, finir de charger Groote, nettoyer l'appartement, partir au camping et s'installer au camping. J'ai perdu ma chérie. Mais ça y est, après ce sera fait. Après ma chérie, tu peux dormir pendant une semaine. Okay. Allez, voilà, je prends les clés de Groote. Je vais aller le fermer. Je vous laisse sur ces belles paroles et je vais vous montrer quand même Groote. Mais ensuite, c'est la fin. Donc, on se dit à la semaine prochaine. À mon avis, vous n'allez rien voir. Je vais essayer. On va te apercevoir un peu, vous le voyez un peu là. On a mis un petit mot quand même parce que vous n'allez pas bien voir. Là, c'est là que ça passe, donc on prend de la place. Mais on a mis un petit mot dans la vitre. Donc on a marqué nous déménageons en fin de semaine, désolé du dérangement, un petit smiley qui sourit, je suis nul dans les smileys, et en cas de problème, venir nous voir à l'appartement 102. Allez, salut, à la semaine prochaine.